Anseus, nous saluons à toute famille, nous saluons ingénieur Jean-Baptiste et frère Emmanuel Dovillier, l'infatigable. Nous saluons toute l'équipe qui nous fait grâce, qui permet que Wyoming et Paroli aller loin et l'autre cœur capable d'entendre. À Soya, nous avons continué et sous même lancé, n'a pas amusé nous dans cette parole et dans la parole de Dieu. Et nous en a enchaînement eschatologique, nous atterri dans le règne de Milan et dans le règne de Milan, nous dans description et du temple dernier dans règne ça sous terre péché ça et dernier en date qui pral gagner lorsque Jésus-Christ le Seigneur il descend. Donc dans thématique nous c'est temple hein? Et en dans temple hein? Et trop dernier troisième là et officiel là qui décrit nos messages prophétiques par Ézéchiel. Donc texte de référence nous que nous avons suivi d'ailleurs bien-aimé pour la première fois qui rejoint nous dans Ézéchiel chapitre 40 qui ont porté eschatologique événement dernier temps. Dans la soirée dans agenda nous comme de nous t'ai annoncé nous prenons et scruter quelques entités du temple. Nous papan ouais toutes après-midi a parce que yon pile mais en fait c'est contenu assez grand pas parce que entité yon pile mais contenu hein assez grand mais nous au moins après et au moins espérons trois et ouais le souverain sacrificateur dans agenda nous et permettre aussi que et moins dégager une méthodologie pour nous faire un parallèle et à travers l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, évidemment, la grâce et le millénium. Donc, et c'est ça, Soya, qui va permettre à ce que moi, je fais un parallèle de ça, que de tout un ensemble de matières, que nous résumé dans un parallèle par rapport au souverain sacrificateur, que nous avons pas mal de choses. Et concernant vêtements, habits et wolli, donc nous allons retourner un petit peu pour nous capable en connecter et contenu ça et que nous en fait font survol en effet avec la grâce, c'est-à-dire dispensation que nous avons dit, et le souverain sacrificateur qui a pu faire surface dans le règne de Milan avec un élément qui a pris en compte et l'autre qui pape là par rapport avec Tashli et Wally. Donc, nous avons un agenda nous. Et ensuite, où est le sacrificateur dans ce règne, le règne de Milan, et qui a un agenda nous aussi. Et en troisième lieu, il y a une lignée qui est en pile là, moun pas saisi, qui sortit dans Aaron, qui c'est les fils de Zadok. Donc, nous prenons pour certains qui habituent avec Zadok déjà. Mais probablement, il y a d'autres, et bien évidemment, dans l'auditoire là, c'est peut-être à Soya que vous pourrez vraiment faire connaissance avec Zadok, qui c'est un souverain, qui était un sacrificateur, un souverain, qui a marqué Israël, qui a marqué la pensée de Dieu, et que Esdras a mis en avant lorsque Israël était pour retourner avec Néhémie à reconstruire Murel. Donc, ça va profiter que ma va mettre accent aussi sur le texte dans Esdras chapitre 7 que lorsque nous tapons prêché là-dedans. Là pour continuer donc on va partager écran ensemble avec nous, c'est ça que nous gagne dans agenda pour nous peut-être soit rafraîchir à quelques pour certains ou bien et apprendre de nouvelles choses et connecter dans la parole de Dieu. Donc bon partager rapidement avec nous à la gloire de Dieu, ce que je partage. Non, je laisse-moi faire le partage d'écran. Hein? Ok, donc, peut-être, vous êtes sur téléphone, si que ou à la maison, vous avez accès à un TV, YouTube, ça va être intéressant pour regarder l'écran PowerPoint. Alors, donc, les entités. Comme annoncé, il y a le souverain sacrificateur. Nous prenons le rôle autour de lui-même, faire le parallèle.
les sacrificateurs, au verset 45, on est toujours, en fait, dans Ézéchiel 40, mais n'a font et aller dans Ézéchiel 44, 46 quand même, pour être capable de bien connecter de manière pédagogique cette présentation. Et les fils de Lévi, que n'a pas lié avec Zadok là, les holocaustes plus tard, et puis les sacrifices, pas ce soir, ça va venir après. Non, on va prendre sacrifice dans l'agenda à soi. Dans l'entité principale, le souverain sacrificateur, dans le règne du millénium, dans le règne de mille ans, dans le millénium, il y aura un souverain sacrificateur. Alors, depuis notion sacrificateur ou bien souverain sacrificateur là énoncé, gagner plusieurs bien-aimés qui rapidement plongeaient dans les lois de l'Ancien Testament, sous la loi, dans les Lévitiques, et il y en a d'autres rapidement qui fait connexion avec l'épître aux Hébreux, et c'est sûr que il y a d'autres bien-aimés qui fait parallèle rapide entre eux, le souverain sacrificateur humain et l'épître aux Hébreux qui présentait Jésus-Christ comme le souverain sacrificateur. Probablement, rapprochement ça qu'on fait beaucoup plus facile ou bien parallèle aux deux endroits ça qu'on beaucoup plus facile entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et à soi, il y a un troisième élément qui doit rajouter dans la tête nous toutes, net, c'est le souverain sacrificateur, mais le sacrificateur, les sacrificateurs pendant le règne de mille ans. Donc, en étudiant la parole, en exposant la parole, le roi fait un travail de connexion, le roi fait lecture biblique. Une fois que mot souverain sacrificateur là li sorti, bon troisième élément qui doit rentrer, qui ajouter dans casier et cerveau. L'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, comment ça t'est fait, comment le souverain, le grand prêtre t'est agi. Bon deuxième qui d'office dans tête non, c'est Jésus-Christ par plusieurs prédications, enseignements, Jésus-Christ, ce souverain sacrificateur que nous gagnons dans sous la grâce. Mais il y a troisième case là qui doit connecter. Mettez-vous en réseau automatiquement, nous pluguez-vous, gagnez l'ancienne alliance, nouvelle alliance et le règne de mille ans. Dès qu'on parle de souverain sacrificateur, gagnez trois temps. Il y a trois périodes, il y a trois espaces. La loi, la grâce, millénium. En fait, le souverain sacrificateur est présent officiellement dans trois dispensations. Alors, m'a tout fait correctif là. Probablement qu'il doit gagner bien des mécanismes. Non, non, c'est pas. Oui, c'est systématiquement. Oui, c'est ça. Mais de manière plus large, hein, il doit dire Job te présenté comme sacrificateur, mais pas comme souverain sacrificateur. J'ai bien dit, je parle de souverain sacrificateur. Crois que Job te présenté comme sacrificateur pour sa famille. C'est qu'on offre sacrifice pour petit Lio si jamais on t'est péché. Donc nous connaissons l'histoire un peu de Job. Mais nous, le thème c'est souverain. Souverain sacrificateur. Alors, dans le texte d'Ézéchiel, dans la vision d'Ézéchiel, dans le règne de mille ans, il y a l'expression dans Ézéchiel 44. Dans Ézéchiel 40, la présence, il y a des éléments qui mentionnent sacrificature là, il n'y a pas fait appel directement à ça, à souverain dans Ézéchiel 40, mais il ramène nous, il rapporte nous à Ézéchiel 44. Là. Donc, dans Ézéchiel 44, verset 3, sous prend Bible, texte sous écran, sous écran, sinon sous téléphone,
une tablette, ou pas bien accès à l'écran, mais ouvrez dans Ézéchiel 44, verset 3. Dans Ézéchiel 44, verset 3, voici ce que dit le verset. Et pour ce qui concerne, en parlant, il faut savoir que quand on est au verset 3, la suite logique, c'est une trajectoire qui a fait, rappelez-nous, dans vision Ézéchiel, c'est une trajectoire qui a fait. Et pendant que l'Éternel a fait trajectoire là avec Israël, avec Ézéchiel, excusez-moi, l'a fait trajectoire avec prophète Ézéchiel, à un moment donné, et l'a expliqué les mesures, les dimensions, le palme, les palmes, etc. Et maintenant, il dit, pour ce qui concerne, il explique, pour ce qui concerne le prince, en parlant de celui qui doit diriger le prince, le roi, le chef des chefs. Voici, il dit, pour ce qui concerne le prince, maintenant, et celui qui a l'aspect des reins, explique à Ézéchiel, en ce qui concerne le prince, donc il décrit le prince, son mandat, sa mission, il dit, pour s'y asseoir, le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte et il sortira par le même chemin. Alors, Ézéchiel 44, verset 3. Alors, donc, pour ce qui concerne le prince pourra s'y asseoir. C'est-à-dire, on parle de la porte d'Orient, la porte orientale, la porte de l'Est, c'est la Chita, nous rappelons la question ça. Et là, la Chita pour manger le pain devant l'Éternel, pas n'importe quel endroit, devant l'Éternel, il rentrera par le chemin. Maintenant, ça c'est au verset 43 qui décrit le prince ici comme le souverain sacrificateur. Qui a moins lié avec quoi? Dans Ézéchiel 40, verset 3, Ézéchiel 40, verset 38, il y a les expressions holocauste qui fait à part. L'Olitexandil est déjà, rappelez-vous ça. Il y a les tables qui sont destinées pour égorger, pour déposer les victimes et au verset 39 aussi, dans le même verset 39 là, où il y a une table qui est mentionnée, les tables, excuse, qui est ici, en fait, qui est un peu différent de ce qu'il y a dans le tabernacle, dans le désert. Les sacrifices d'expiation, au verset 39, et les sacrifices de culpabilité. Évidemment, il y a un chapitre dans Ézéchiel là, je crois que c'est au chapitre 46, qui exposait les différentes offrandes et les sacrifices qui n'est pas décrit en détail, tout en sachant que les enfants d'Israël comprennent, ils connaissent ça signifie sacrifice d'expiation, ils connaissent ça signifie sacrifice de culpabilité, qui sont holocaustiers, que nous-mêmes, nous, plus ou moins habitués avec holocaust, et sur l'autel des reins, etc. Donc, un peu, m'ava ouvrir une petite parenthèse pour expliquer ça, pour me relier, pour me connecter ensemble avec ça dans l'Ancien Testament. Sacrifice d'expiation, culpabilité et par rapport à la façon de faire dans le millénium. Parce qu'il y a des changements de toute façon. Et donc, le prince est là. Les éléments qui clairement montrent, qui définissent que a bien y a un sacrifice dans le règne de mille ans, qui a bien un principe de l'Ancien Testament, bien, les principes que nous avons retrouvés sous la loi. Donc, lorsque Aaron, qui c'est le premier souverain sacrificateur, nous connaissons les problématiques Aaron, dans le nombre 20, que l'Éternel Dieu pourra le déshabiller, et parce que lui-même à Moïse, il n'a pas honoré devant le peuple là, deuxième fois, il t'a demandé de l'eau. Moïse fait colère, il y a la frappé au chien qu'il était de parler avec elle. L'Éternel Dieu mettait fin au ministère. Le premier des grands prêtres mettait fin. Et puis, il fait Moïse même déshabiller et puis enterrer. Bon, mourir. Là, nous avons un nombre 20, si nous rappelons l'histoire ça. Donc, il y a l'Holocauste, il y a un sacrifice d'expiation, il y a un sacrifice de culpabilité.
il y a le souverain sacré. Maintenant, deuxièmement, élément de connexion que probablement on dit déjà, c'est la présence du souverain sacrificateur sous la loi. Bon, on ne va pas le faire trop ou tout, mais ici, on tenait à rappeler à l'auditoire, là, à nous-mêmes, et question ça. Donc, et rôle que tu gagnes, si nous rappeler qui rôle nous gagne là, on va tout à l'heure, le rôle de ce souverain. L'élite nous rappelait encore qui raison qui bail tabernacle là, et après que le peuple a fini manqué bon Dieu dégâts contre lui, pour de l'eau, et il peur pour entrer Canaan, l'éternel, il voulait détruire, il voulait finir avec eux. Moïse, le grand intercesseur, mon pasteur exceptionnel, lui m'a dit, bon Dieu, grâce, mais bon Dieu m'a dit que seule façon que je peux retourner, il faut m'établir tabernacle, que nous connaissons qui c'est le portrait de Christ. Donc là, dans un élément qui sont même de Jésus-Christ, Aaron était un type même de Jésus-Christ. Aaron, un aspect dans la ville, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, pral joue rôle ça. Là, je rôle ça sous pour l'Église li, et dans les cieux. Donc, sous la loi, nous connaissons que ça a été existé. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, la loi, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'image de la réalité céleste. Tout ça qui t'a passé, rappelez-nous, c'était il y a passé dans ciel là. Ça veut dire que toujours dit que ciel là, il est réel et c'est l'ombre et c'est l'auteur et qui rédigeait l'épître du Saint-Esprit aux Hébreux, livre ça qui c'est livre qui présentait et toute théologie concernant la supériorité de Jésus-Christ là, qui pourra expliquer la réalité, les Jésus-Christ vient mourir. Alors, dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ est venu, oui, avec la Nouvelle Alliance, Christ est le grand souverain sacrificateur unique et parfait. Donc, Hébreux 7, verset 23 à 28. Donc, c'est juste un rappel, parce que c'est un rappel, en fait. Jésus-Christ, c'est pour nous connecter, faire appel là, rapide, et pour nous faire connexion, hein, pour certains. Alors, dans Hébreux, chapitre 7, verset 23 à 28. Laisse-moi lire le texte. En Hébreux, chapitre 7, hein, si vous avez votre Bible en main, et toujours avoir la Bible, un stylo aussi. Hébreux 7, verset 23 à 28. De plus, il y eut des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. C'était dans le cadre de l'Ancien Testament, au verset 24. Mais lui, en parlant de Jésus-Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, Jésus-Christ. Verset 25, c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, pas n'importe quoi, parfait, c'est ça, il est saint, il est innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. On parle de Jésus-Christ. Unique, parfait, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. On le sait déjà. Verset 28. En effet, la loi établit les souverains sacrificateurs des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils. Soulignez ça,
établi Jésus-Christ le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc, Hébreux 7, Jésus-Christ est le grand souverain. Il est, regardez l'expression grand, il est grand, souverain et sacrificateur. Il est unique et parfait. Donc, c'est déclaré c'est par l'auteur de l'Épître aux Hébreux que Jésus-Christ est l'unique, il est parfait, il est sans péché, souverain, sacrificateur pour l'éternité. Pour l'éternité. Dans le texte de Hébreux 9, versets 11 et 12, ça va décrire le mot grand, le superlatif plus grand. Il n'est pas simplement sacrificateur, mais il est plus grand. Donc, aujourd'hui, sous la grâce, parce que là, nous, sous la grâce, il y a un grand souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Donc, on le sait. Donc, dans Hébreux 9, versets 11 et 12, voici ce que dit le texte, le verset, en fait, dit les deux versets, la parole de Dieu dit, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. » Les choses à venir, il a traversé le tabernacle en plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de main d'homme, qui n'est pas conçu de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des taureaux et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, ici, ça montre que Jésus-Christ est le meilleur. Il a traversé un tabernacle et qui n'est pas de cette création. Le texte nous dit automatiquement, écoutez, explicitement, que dans les cieux, il y a un tabernacle. Dans les cieux, il y a un tabernacle. Suivez bien la démarche. Il y a un rappel pour connecter et démarche là avec le règne de Milan. Il y a un tabernacle dans les cieux, c'est clair, c'est bibliquement clair. Oui, un tabernacle qui n'est pas de cette création. Jésus-Christ est rentré dans ce tabernacle. C'est-à-dire, le petit tabernacle là, en bois avec qui était dans le désert que nous te ouais. Ensuite, David pral joindre la vision. Pour les faire, au lieu qu'il y a traîné avec une tente et avec un tissu qui pas représentatif, qui pas grande qualité. Donc, il pral vient de plan pour le faire top. Salomon pral construire, bon, je vais quitter la cause, mais il y a trop de sang. Mais la structure de ce sanctuaire, il était toujours existé en dedans, dans Salomon, ce que nous t'ai étudié. Dans les cieux, structure ça dans les cieux. Ça qui est à terre, c'est un. C'est une photocopie des choses réelles qui sont dans les cieux. Maintenant, dans la nouvelle et dans le règne de Milan, dans la nouvelle Jérusalem, dans le millénium, tout ça qui est dans le ciel là, oubliez que l'Écrit s'est retourné en puissance et en gloire, tout trône a descendu avec lui. Parce que son trône est mobile. C'est ce qui fait que le nouveau temple, des temples, ça, Ézéchiel joint message, ça, Jésus-Christ, qui pas jamais suspendre exercer rôle que le gagne comme souverain, comme grand souverain sacrificateur. Nous va avoir un bimol quand même, nous va avoir une différence quelque part plus tard. Et puisque aujourd'hui, on a été sous la grâce un petit peu pour nous faire démarcation rapide que nous parlerons plus tard dans le règne de mille ans par rapport à ce même souverain sacrificateur. Alors, donc, c'est clair que dans l'Ancien Testament, c'était une copie, mais une copie avec beaucoup de faiblesses. Il y a une photocopie qui n'est pas la réalité, il y a une copie sur copie. Si on dit, monsieur, bah, copie, acte de naissance, non. Bon, c'est la copie qui dit peut-être que ça semble être vrai, mais au cas où, pour t'es original là tout. Bon,
commande original là, certaines fois, il prend même mando ou bay original qui sorti dans un extrait d'archives dans pays d'origine, nous, surtout même qui Haïti. Puis, sûr que c'est l'État, c'est le gouvernement de Baoul, c'est un bon baptiste, c'est un bon acte de naissance. Puis, sûr de l'authenticité, puis, que document. Donc, Jésus-Christ, avant, il était photocopié, aujourd'hui, et dans les cieux, c'est réalité, que nous-mêmes, nous croyons par la foi, moyennant que lorsque nous allons dans les cieux, dans l'ordre de l'enlèvement de l'Église, les pas notion de foi encore, parce que nous avons, puisque tout ce qu'on a pour la notion de foi, c'est fini. Une fois avec l'enlèvement de l'Église, il n'y a plus question de foi. C'est comme Adam avec Ève, nous répétons ça plusieurs fois, il n'y a pas besoin de la foi, parce que vous êtes ouais, mon Dieu, vous êtes visité, vous êtes dans la gloire qui te couvre. Donc, c'est Abel, à Caïn, qui a besoin de la foi. Donc, lorsque, pour le moment, prononcer une notion de foi, et alors que le la retourner descendre en puissance et en gloire avec ce trône, ce ne sera non plus aucune la question de foi. Parce que il a là, comme souverain sacrificateur, les enfants d'Israël qui sont dans la ville là, l'autre nation qui vient vous porter pour venir fléchir nous devant et devant roi des rois, qui a dit qu'il est pour diriger le monde là, devant le roi. Le roi, le seul seigneur, le seul chef des chefs là, il y a pour elle. Il y a même aussi, il n'y a pas besoin de la foi, parce qu'il y a pour elle tout. Sauf que, nous prenons le dossier déjà, et nous mentionnons là, il y a une grande démarcation qui va gagner. Si je dis, vous suivez bien, souverain sacrificateur, ça, il est disponible, au moment où nous parlons, il est disponible, ni pour les gens qui pas d'accord. Je dis accepter Jésus-Christ, il est encore disponible. C'est ouvert. C'est ça la grâce. En plus, moun qui accepte qu'à vivre la foi en Jésus-Christ, le Jésus-Christ, comme souverain sacrificateur, a joué un rôle comme ça doit pour nous. Son rôle de médiateur. Alors, si vous rappelez-nous que dans l'Épître aux Hébreux, donc, notion fondamentale, théologie livre ça, c'est que Jésus est le meilleur. Et ça que monsieur académicien dit, c'est la thèse même théologique de ce livre, sous la grâce, et que Jésus est le meilleur. Meilleur que Moïse, meilleur que les prophètes, meilleur que tout sacrificateur souverain passé avant eux. C'est ça que ça dit, non? Et il est plus parfait. Bon. Donc, le rôle du souverain sacrificateur, vous me rappelez, parce que il est aujourd'hui le souverain sacrificateur sous la grâce, et il sera encore et pour toujours le grand souverain sacrificateur. Donc, son rôle, c'est fait de la médiation. Donc, le rôle principal du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament était une fonction de médiateur. Et celui qui se tient devant Dieu en faveur du peuple était là. 1 Timothée 2, verset 5, apôtre Paul pourra mentionner ça, lorsqu'il pourra dire il y a un seul médiateur, un seul. Aujourd'hui, nous parlons. Un seul qui gagne, a bien, ça veut dire que tu gagnes même sous la loi. L'elle mourit, il remplace. Tu gagnes un seul, tu gagnes plusieurs sacrificateurs, rappelez-nous ça, mais tu gagnes un seul. C'est clair? On connaît ça. Et sous la grâce, là, dans la nouvelle alliance, il y a un seul médiateur, le seul. Le souverain sacrificateur, son rôle, qui est d'ailleurs t'es toujours unique, son seul qui te gagne. Pour tout peuple là, un seul. Et aujourd'hui, il y a encore un seul qui est venu mourir, qui est ressuscité, qui est monté dans les cieux, chita à droite papal, qui est médiateur, c'est Jésus-Christ, entre Dieu et les hommes. Alors, et peut-être qu'il y a un monde qui attend, ici, il y a un aucun texte de la parole de Dieu dans la Bible qui mentionnait que il y a personne, l'autre monde, qui joue le rôle de médiation. Donc,
il y a probablement d'autres bien-aimés capitaines de qui pas dans la foi ou bien qui recevoir un message non enseignement nous trouver parenthèse là pour moi et partager ça avec vous. Peut-être pas nous-mêmes qui dans la foi déjà nous connaissons ça c'est ABCD pour nous mais il y a pile monde qui sombre par une église l'église de Thyatire qui fait que on connaît que Marie et maman Jésus mère de Jésus-Christ mère de Jésus disons mieux qui était lui-même béni entre toutes les femmes, je dis que je joue rôle ça. C'est comme si je dis mais Marie comment yon sous est-ce que oh, ça sous ma cadi sous mais souveraine nous comme un souverain sacrificateur. D'ailleurs féminin ça va exister. C'est comme et diacre pas un féminin en grec. Parce que mon m'a répété ça encore mon cap diacodes ça va exister. Diacones c'est comme pas un féminin en grec. Souverain sacrificateur. Cette expression n'a pas de féminin, que ce soit en hébreu et en grec. Donc, il y a un seul médiateur. Pas qu'il y a une médiatrice, Marie, qui est qu'un ciel, qui chita. C'est une doctrine du paganisme, c'est une doctrine de la reine des eaux, c'est une doctrine satanique qui sortit dans l'église pilotée par Jézabel. Claire, 1 Timothée 2, verset 5. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, qui attendaient enseignement ça, ouvrir Bible, allant 1 Timothée 2, verset 5, ou pas besoin en aucun autre endroit dans la parole qui gagne aux personnes, l'autre entité qui gagne attribue ça, qui gagne droit ça, seulement Jésus-Christ. Donc, moins ouvrir parenthèse en guise d'exhortation, à probablement d'autres personnes qui ne sont pas encore dans la foi. Donc, le rôle de médiation en faveur de qui? Du peuple. Dans le règne de 1000 ans, maintenant aujourd'hui, c'est en faveur de quel peuple? Que ce soit les nations, les pécheurs, ceux qui veulent, aujourd'hui, le texte de Jean 3, 16 est disponible. Le salut est disponible. Cependant, plus, et si on a subi, dit, OK, mais et si aujourd'hui c'est médiation devant qui est devant Dieu en faveur du peuple, mais si ça qui ça la pied même dans le règne de 1000 ans, et question ça. On va voir ça pied devant, mais dans le règne de 1000 ans, c'est quel peuple qui est ce qui qualifié pour Jésus-Christ cap jouer même rôle ça camper, c'est des questions et de vous capable qu'embé pour chercher mieux la compréhension de la parole et afin que capable et saisir l'esprit même de la parole. Donc n'a pas bien sous ça. Donc moi susciter question un problème non pour capable ah OK mais si aujourd'hui non sous la grâce c'est en faveur du peuple mais et le ça pral fait à l'église enlevée l'église retournée et avec Jésus-Christ sous la terre, Israël qui là, mais c'est quel peuple maintenant? Et l'autre nation, parce que nous dit à plusieurs reprises, tout l'autre monde, Dieu calé dans le règne de 1000 ans, qui était à gauche, ça les boucs, qui est à gauche, malgré qu'il y a une capacité, puis on vit 300 ans, 500, 600, 800, 900, même 1000 ans même, ça dépend. Lui-même, yo pral dans les temps de feu et de souffle. Pour qui ça? Alors, gagner yo souverain sacrificateur parce que Wally, c'est rétablir la paix entre Dieu entre l'homme et le Père c'est réconcilier l'homme avec le Père non le Père avec l'homme comprenez bien c'est très important il m'a rappelé ça c'est pas une réconciliation entre le Père et nous-mêmes mais c'est de préférence une réconciliation entre nous-mêmes et Dieu. C'est important. C'est nous qui t'ai posé des gars, c'est nous qui t'ai péché, c'est nous-mêmes qui nous besoin yon moun qui t'ai capable ça yon médiateur et parfait par excellence qui ca fait ça et qui pas besoin faire ça pour être parle mais qui fait ce qui ca fait ça pour nous simplement c'est Jésus-Christ. Alors un moun qui parle dans les 2000 ans nous dit perdu que nous toujours dit perdu qui rôle médiation ça même a bien qui sens n'a bien donc nous suscite question ça pour capable réveiller attention nous en attendant que nous continuer gagner une question probablement ben me rappeler numéro yo probablement besoin que nous oublier numéro yo
Et pour question, et 514-207-97-63, vous pouvez poser question, et aussi 438-765-76-86. OK. Donc, et salut, pasteur, Melchisédek était un souverain sacrificateur ou non? OK, l'expression Melchisédek, est-ce que nous avons peut-être pris un temps après pour nous exposer et Melchisédek en réalité? Mais Melchisédek, c'est plus même, c'est un roi. Melchisédek, c'est une figure même du roi des rois. Du roi des rois. Mais c'est un grand prêtre aussi. C'est une lignée de grands prêtres. Avec quand le texte nous dit que Jésus-Christ recevoir onction directement dans sous roi de Salem. Qui est le roi de Salem en réalité? C'est El Elyon, c'est l'Éternel Dieu. Le Melchisédek même, c'est El Elyon, c'est l'Éternel Dieu. Donc en sous même racine grand prêtre là, il sorti en haut. Côté bon Dieu, c'est bon Dieu même. Donc c'est aligné ça. Donc c'est une onction, son grâce que l'Éternel Elohim El Elyon, l'Éternel Dieu lui partagé à nous-mêmes à des hommes d'abord dans l'Ancien Testament comme image, comme figure, comme photocopie, mais qui c'est réalité à qui c'est Jésus-Christ encore, que ce soit dans position de sacrificateur, dans position de fils, c'est encore l'autre Seigneur Dieu qui gagne, qui se révèle de trois manières, soit comme Dieu le Père, comme Dieu, comme le grand prêtre du Très-Haut, qui est lui-même le Dieu le Père, El Elyon Elohim, El Shaddai, El Olam, l'Éternel Dieu, ou bien qui révélé comme étant le Fils, ou bien comme étant Dieu le Saint-Esprit. Bien. OK. Le péché nous a séparés de Dieu. Jésus-Christ est le médiateur qui a rétabli la paix entre le Père et nous. Il représente la rançon qui a contribué à notre salut à la croix. Le grand souverain sacrificateur, dans le règne de mille ans, il est venu pour restaurer les offrandes et les sacrifices. Alors, nous avons fait connexion avec nous, c'est ce que nous rappelons, nous, et Daniel, chapitre 9, surtout au verset 27. Un petit rappel. Dans Daniel chapitre 9, au verset 27, si nous rappelons ça bien, à la moitié, c'est un, parce que Israël, qu'on y a là, nous connaissons ça bien, Israël n'a pas gagné formule temple avec sacrifice, ça n'a pas gagné. Je me rappelle ça. Je dis ça déjà. Je me tape trajectoire N'Gidi de Ur à N'Gidia. Je me rappelle ça que je dis là, sous ta rentrer dans le temple juif ou pas joindre structure de sacrifice de d'offrande et de sacrifice qui était fait qu'on fait dans l'Ancien Testament sous la loi par exemple avec sous parle avec juif abdoubon tout un sacrifice de culpabilité d'expiation tout type d'offrande ça offrande de fleurs de farine tout type d'offrande qui était gagné dans Lévitique là yo même yo remplacé yo par des prières. Mais ce qui n'est pas on n'est plus la loi, c'est tout amalgame. Son peuple qui a vécu nous évidemment, je dis t'as compliqué pour t'a nous rappeler nous et ça fait Hérode pral agrandir et temple avant que Titus t'écrase, il dit parce que il y a trop les pèlerins au vini. C'est beaucoup de gens, c'était trop petit, il renouvelle nous qu'on rappelle nous tout ça. Mais depuis lors que yo dispersé dans la perdu dans le monde jusqu'à ce que yo vienne fonder l'état d'Israël en 48 là, nous rappelle nous ça donc tout et processus qui fait yo vienne gon territoire qu'a bataille palestinien depuis lors yo gaspillé ou parti dans sur la terre, gaspillé ou pas gagné
encore structure ça ou pas gain alors que c'est you une vocation on a présenté tout à l'heure une vocation pour yo c'était servi comme sacrificateur puis respecter les rituels de you pédule la grâce venait pour remplacer et pour ne pas traiter dans bagage ça du tout yo parti de Jésus-Christ hein, qui fait que dans le règne de 1000 ans qui sont retournés comme ça dans Daniel 9 verset 27 là antichrist hein, nous rappelons ça dans troisième dans moitié 7 ans ça nous connaît bien dans troisième dans 3 ans et demi ans les Satan tomber là il prend 10 c'est Dieu ça antichrist hein, d'ailleurs il dit si Christ en fait le faux Christ et puis à un moment donné puisque Israël c'est là j'ai fait yo gagné chez sous yo d'après Ézéchiel 37 là d'après m'a rappelé nous dans la vallée des ossements de Séchéan rappelez nous yo gagné chef mais yo fait alliance là avec le chef de l'antichrist après l'enlèvement de l'église et que dans moitié c'est temps dans 3 ans et demi monsieur a l'Éternel du précipité Belzébul précipité les autorités les Satan le diable sur la terre et le boss li descend un rappel il pral déclarer que je suis que qu'il est Dieu bon. Il pral déclarer que c'est Dieu même il pral faire cesser les sacrifices et les offrandes dans le temple que antichrist là pral favoriser que peuple ça gagner puis reprendre les rituels sacrifices dans l'Ancien Testament yo. 3 ans et demi, ben y a bien marché, tout bagay bien fonctionné et puis dans mi-temps tout bagay interrompu et puis griffe le monde sorti pour dévorer Israël, nous connait ça bien. Alors l'Éternel dans Ézéchiel dans Apocalypse chapitre 12 ans pral protéger yo dans un désert que nous connaît. Alors mais les Jésus-Christ donc le nous comprendre que dans le règne de 1000 ans mandat Israël que bon Dieu te bayo dans Exode là les a sorti il a quitté Moïse bon Dieu bay Moïse bayo puis aurait puis il a bon Dieu dit que dans promesse qu'il fait il a vinn sacrificateur pour lui yo gayé yo perdu dans ligné promesse là et antichrist c'est Satan qui a piloté yo même pas yo pas prendre bagarre comme ça il pral déjouer yo dans ligne que les on comprendre yo carré chaise yo a fait bel sacrifice belle offrande dans prêtre dans cet testament et or sacrifice là principe yo rattaché à vocation yo antichrist pral ba yo tam de carré les belle film mall il pral monter route là et belle et puis il pral camper sous yo il pral camper sous vocation yo parce que le diable le monde des ténèbres qu'on vocation peuple ça il connaît mandat ah ça fait que l'Éternel des armées le Dieu le Père El Elyon qui sait c'est déclaré l'époux d'Israël Israël c'est l'épouse de Dieu à travers le prince que le montre Ézéchiel il va reprendre sacrificio là en dans temple et pas l'unique et celui qui est parfait comme souverain grand souverain sacrificateur qui c'est Jésus-Christ live sur la terre. Donc un petit rappel en effet et pour comprendre pour nous connecter raison on a soir puis Daniel 9 27 là ou pour chercher et mais tout ça que le diable fait li gagne un détournement v'les fait. Pas bagaille non. L'oué li le monde des ténèbres décourage ou la câble pour la prière. Gogo de rive ou est-ce que tu découragement, c'est pas grand, c'est pas hasard. D'ailleurs hasard n'a pas existé. Li gon travail il a fait, li connaît bon soit à court terme ou bien à long terme mais il gon travail que l'a fait pour faire perdu dans mandat perdu dans sa bonne Dieu. Donc l'antichrist avait fait cesser les sacrifices et les offrandes dans Daniel 9 parce que alors que dans le règne de 1000 ans le Christ rétablit la parole restaurer les offrandes et les sacrifices ce que nous verrons plus tard dans
Ézéchiel, chapitre 46. Le grand souverain sacrificateur, il doit restaurer, il va restaurer, il restaurera les offrandes et les sacrifices. Donc, ce qui fait que, à partir de ce moment, frères et sœurs, audites bien-aimés, il doit possible pour nous concilier, connecter tout ce qui est sacrificature dans un plan parallèle. On ne s'acte pas sur la loi un peu, même si nous parlons de tout détail de tout principe, nous parlons spécialiste en Ancien Testament, mais depuis autant de sacrifices, souverain, surtout souverain, grand souverain, souverain sacrificateur, il y a un parallèle, connexion 1, dit ça au départ, et puis la loi, sur la loi, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Deuxièmement, le rôle du souverain sacrificateur dans la Nouvelle Alliance, et ensuite dans le règne de 1000 ans. Nous verrons quelques détails sur ce rôle encore. Le grand souverain sacrificateur dans le millénium, le prince, grand souverain sacrificateur. Il est prince, il est grand souverain sacrificateur. Il est prince, grand médiateur parfait. Médiateur pour Israël, l'épouse de Dieu. Quatrième élément, mettez-le en jaune, c'est important. Très, très important. Plus de médiation pour les alliés de l'Antichrist. Alors, c'est là, le nous dit, et il y a quelques questions que je vais répondre tout à l'heure, il dit, regardez bien, plus de médiation. Il n'y aura plus de médiation pour les alliés de l'Antichrist. Bon, oui, bon. Il est aujourd'hui, écoutez bien, aujourd'hui, il est le grand souverain sacrificateur, celui qui a traversé le tabernacle le plus grand, le plus parfait. Oui, yes, on connaît ça. C'est ouvert. Mais après l'enlèvement de l'Église, pas de médiation pour moun, pour les nations. Évidemment, Dieu dit les nations, c'est moun qui perdure. Alors, la question, c'est toujours clair. C'est là que c'est une argumentation biblique. Le, autant de yon prédicateur dit que depuis Dieu, yon moun calé dans le règne de 1000 ans. On parle qui répété à plusieurs reprises. Prochaine étape moun sa, li met la vie 800 ans, si nous pas bat kol, vivre. Mais destination finale, c'est l'étang de feu et de soufre. Même lorsque Jésus-Christ appela comme médiateur. Mais il pas appela comme médiateur pour demander pardon pour les nations. Attendez bien, oui. Oui, je dis à la, le sang de Jésus-Christ est disponible. Goun moun ka accepte Christ, médiation prend effet automatiquement. Mais dans le règne de 1000 ans, il y a une démarcation à faire dans ce parallèle, dans l'Ancien Testament, sous la grâce maintenant, et dans le règne de 1000 ans plus tard. Le mot-clé, ou bien la phrase clé, pape gain médiation, même si le rôle du souverain sacrificateur, le prince d'Ézéchiel, même si le rôle lui, c'est de faire médiation, il n'y a pas bien rôle ça pour les nations qui gagnent au calé, qui te prend marque de la bête, qui vivant, mais qui a vive le règne Christ là. Non, c'est la garantie de la d'aller à la perdition. C'est l'élément qui garantit que, d'ailleurs, une argumentation biblique pour noter. Un, si on a dit pour qui ça, moun qui géocalé, qui dépend mal de la bête là, qui pas sauvé, il n'y a pas de moyen, mais bien moun qui dit non, mais bon Dieu, trop bon, mes amis, pour garder tout moun, attendez bien, oui, bien moun qui se sent, nous j'ai question ça déjà à plusieurs reprises, des années, il dit, mais comment on garde tout bel moun sans marcher Montréal?
Et puis, quand marché Californie, en Haïti, en France, tout côté sur la terre, et puis qui dans le rêve de Milan, et puis, vous comprenez que, mais bon Dieu, pas méchant. Écoutez, c'est la loi, c'est une loi spirituelle, c'est un choix. Le choix des conséquences. Donc, mais comment faire? Non. Argumentation numéro un, pour ne pas oublier, c'est que porte grâce fermée. C'est important. Deuxièmement, porte qui bat accès à la vie éternelle là, quand fermé, c'est seul président qui a rentré là, qui a fermé. Moun pas rentré. C'est-à-dire, c'est un message qui dit que pas de moyen pour moun échapper à du feu, à l'étang de feu et de souffle. Troisièmement, pas de médiation pour eux. Pas de médiation pour le peuple. Et nous allons voir ça plus tard, dans Ézéchiel 46, après médiation pour le peuple, n'est pas, c'est pas pour les nations, c'est pour Israël seulement. Pas bien pour le peuple, on dit le peuple, on dit le peuple, c'est pas le peuple africain, ni le peuple américain, canadien, mais pour l'épouse de Dieu. C'est même pas pour l'église, l'église pas ça, l'église chita sur le trône. L'on va décrire aussi les sacrificateurs, on a fait démarcation entre les oiseaux qui sont assis sur le trône et Israël qui c'est aussi sacrificateur, mais nous avons la même fonction. Nous avons même obligation. Alors, on garde question ça. Et avant que tu me pètes ban nous, est-ce que sous la loi, dans les questions, est-ce que sous la loi, après Aaron, il y avait d'autres souverains sacrificateurs qui a remplacé? Ah oui, nous parlons ça tout à l'heure. Nous parlons, mais oui, bien sûr. Et bien, Aaron mourit, toujours gagné, il y a un souverain qui est rentré. Ou pral gagner et comment les gros traits ça pral trahir you non non yon grand figure de l'Ancien Testament à monsieur Abimelech yo nous pral jwenn Ahimelech nous pral jwenn de grands sous-sous de grands traits qui pral trahir d'ailleurs c'est ça qui pral faire que bon nom de famille nous cité là qui doit marquer avec compliment bien souligné pour nous assoya qui pral yo même remplacer et parmi ça qui pral parce que lignée lévitique là c'est en fait son gros chapitre que lié il y avait les coatites et les gershonites et gayon l'autre lignée c'est trois grandes lignées et tête chargée en dans les lévitiques mais qui issu en général d'Aaron. Oui et gayon les marérites donc c'est tout un chapitre pour qu'on lit pour nous étudier et pendant au moins 3 mois c'est peut-être c'est nous amuser une fois dans les Lévitiques. Ah oui, il y a plusieurs qui passaient après et parce que faut toujours gagner une qui rentrait tant que le souverain Jésus-Christ sacrificateur qui rentre une seule fois pendant que Jésus-Christ a gagné les grands prêtres yo m'a pas mis grands pharisiens yo grand prêtre yo et Caïphe au songe baïsa grand prêtre Jésus-Christ les Caïphe comme grand prêtre ça est bien oui n'oubliez Caïphe bon Caïphe son exemple bien m'a dit mais Caïphe pasteur Caïphe a parlé on parle pas que français Caïphe et qui le grand prêtre et qui prend chirer rad sous li a oublié baïsa et dans des abien et qui prend les Jésus-Christ elle prend dit Jésus-Christ et devant et là où bah où Kébé Ozo a pral dit dis-nous au nom de l'Éternel là, si tu es le Fils de Dieu et pral dit tu le dis il dit désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu à la droite de la majesté donc Monsieur Chiragatsuli vous rappelez histoire ça you know c'est une garde movie bon après une garde movie même si vous mettez en petit bas il met typique les arts dans ni dans filmio on va dire à Hollywood qui travaille mais l'essence du film est là. L'essence de la parole est dans le film de toute façon. Donc, là, M. Campé, M. Chiragatsuli, le yon souverain sacrificateur, me dit ça plusieurs fois, m'ouvre ça l'exemple. Le Chiragatsuli, ça signifie, mon cher, tout ce dit là, yo, c'est blasphème. D'ailleurs, pour nous, m'gabler, m'de dire nous ça, ou pas qu'à l'acheter pour coude, moun qui pour coude rad souverain sacrificateur, c'est bon bagage, ouais. C'est tout, le principe rad la simplement c'est tout une spécialité. L'air rad la fini, pour pas qu'à la gueule l'enfantra. Donc, même l'air rad la fini, oui, rad la souverain sacrificateur, elle a fini, elle pas qu'à mettre l'encore, mais rad la blasé.
Même pour finir, c'est tout un principe, bon principe de la loi juridique, principe pour être la fini, je parle de la gueule dans poubelle, il n'a pas de pas besoin d'eau. Donc, vous M. Campé, vous chirez à ça sous lit. C'est pas un radouné qu'on a l'eau acheté au coquet. Non, et oui, il y a plusieurs qui parlent. Alors, je rappelle ça. Je rappelle, ce sont les caïfs. C'est une. Et alors, quelle différence il y a entre grand prêtre et. Oh, c'est la même chose. La même chose. Entre grand prêtre et le souverain sacré. Dès que vous dites grand prêtre, vous avez dit une ou l'autre. Sans problème. Donc, a dit, you know, surtout vrai ou faux, y a-t-il une différence entre grand prêtre et souverain? La même chose, même bagaille. Et souverain, sacrificateur. Sauf que pour Jésus-Christ, pour mettre accent qu'il est le meilleur, c'est ça que d'ailleurs l'Épître aux Hébreux explique, non? Pour dire qu'il est le meilleur, bon. On dit qu'il est le plus grand souverain. L'accent est mis pour dire qu'après lui-même pas gagné, avant pas gagné. C'est l'expression même de l'alpha et de l'oméga. Il est au-dessus de tous. Son nom a été élevé au-dessus de tout nom. Plus grand que Moïse, plus grand que les prophètes, plus grand, etc. Il y a une question, il dit, puisque c'est une troisième question qui dit, puisque Jésus-Christ se présentera en tant que le souverain sacrificateur, écoutez la question, est-ce que le pectoral du jugement que porte le souverain sacrificateur aura sa place dans le... Probablement oui, parce que, écoutez, c'est Israël. Il ne faut pas oublier que dans le pectoral du jugement, c'est les 12 tribus. Les 12 tribus. C'est pas les nations. C'est pas... Et avant tout, c'était les 12 tribus d'Israël. Autre question. Le sacrifice, c'est pour le pardon. Est-ce que le péché existera dans le règne millénaire? Belle question. Permettre que moi développer ça, parce que je vais faire un point, c'est un parallèle à faire en ce testament, toujours là, sacrificio. Et Nouveau Testament, l'Odia et le Millennium, m'a décrit ça, le m'a décrit chapitre 46 là, différentes options. Mais oui, mais le péché à plat, à l'exception que, puisque, pas oublier que, depuis c'est Masmoun qui était à gauche, c'est-à-dire qui était dans le concordat avec Antichrist, il n'a pas sauvé, mais il a vécu pendant le règne de 1000 ans. On pas oublier moun sa yo. Yo pas dans konou, yo pas transformé. C'est moun encore tête chargée. Israël pral sanctifié par la présence de Dieu, mais Israël pas transformé. c'est la plus belle des choses que quand méditer sur le quand amuser. Nation k ap la yo même, c'est totalement perdu, le péché a vivre dans yo à 100%. Mais et poison qui activé, ne karele, chef poison, qui activé poison en Yoa, là, dans prison, qui sait, et vous rappelez que Satan sera arrêté, détenu pendant 1000 ans. Oui. Et si le Seigneur Jésus a arrêté, nous comme ça aussi, il y a bon apparence de calme, parce que mon agitateur, fauteur de trouble là, qui le tentateur, le séducteur. Parce que il y a plein de monde qui péché aussi parce que il y a trois graves, l'orgueil, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, qui est entré péché dans le monde. Ces trois éléments, ça y est, mettre question ça à lui-même, il est en prison, donc, abdon apparence de carte. Et puis, la présence du Tout-Puissant est là, il est obligé de couper. Mais avec des gens qui va faire un don, il va mourir à 100 ans, il va mourir jeune. Donc, on est ça déjà. Après, oui, péché à plat. Ça fait qu'il y a une preuve qui montre que péché à plat, quand Satan sera relâché de sa prison, rappelez-nous ça, parce que c'est encore l'un qui quitte le règne de 1000 ans, c'est l'un qui quitte le livre Apocalypse, proprement dit, le chapitre 19, chapitre 20, c'est là que nous allons reconnecter nous encore. On prend les descendre après la noce de l'agneau, chapitre 19 descend, nous allons connecter nous
avec la quatrième phase de la résurrection qui annonçait le règne au chapitre 20 qui a annoncé et le règne de 1000 ans. Cela va le reprendre nous encore au verset 6 et 7. Oui, c'est le Satan relâché, Satan pourra agiter la terre et que Gog et Magog pral ouais se tara manger Israël. Comprenez? Alors, permettez-moi, et pour deuxième, non, c'est une démarche explicative théologique. Quand c'est comme les sept ans dans les cieux, c'est souvent des bons en texte montrer que quand passe les sept ans dans les cieux, c'est une explication théologique qui permet que son démarche permet que vous compreniez que l'Église va faire sept ans dans les cieux par rapport aux semaines de Daniel. C'est la même principe là. Parce que même lui, alors, d'une démarche que je fais déjà, c'est que à la fin du règne, parce que moun ki la yo péché à son déolier, d'accord? Le péché est là, le péché va disparaître, c'est même terre. C'est même terre. Regardez raisonnement logique, dans le moment, c'est même terre. Le Satan relâche de la prison, dans le chapitre 21, il pourra susciter encore les hommes encore au mal. Message qui dégageait, qui montrait que pas une absence du péché pendant Christ là, non, le péché est là. Mais moun élément qui mettait désobéissance en activation, l'inneutralisé. C'est trois gros mots sur ça. Il y a la séduction, il y a la tentation, le tentateur qui est Satan, parce que Satan signifie tentateur, qui avec tout acolyte obligé. Il passe, regardez, Satan simplement en prison. Tout reste démon posé. Bon bagaille, c'est bon bagaille, c'est bon bagaille, petit ça y est, non? Satan simplement en prison, tout le démon va en fait pas en prison, mais le fait que Satan en prison, comme recommandement, le chef, le chef des démons, qui c'est Satan, le diable, il est en prison, et puis, et tout l'autre petit soldat est opposé, le calme. Mais après, il y a une marche qui montre que péché n'est pas absent. C'est l'homme qui se sort de prison, dans Apocalypse chapitre 20, quand Satan sera relâché de sa prison, il pral dit, donc, ok, Mounio, il n'y a pas de soumettre à Jésus-Christ vrai. Regardez bien, oui, on regarde ça encore. Pour la présence du mal était là, quand on dit la présence du péché, c'est la présence du mal était encore là. Regardez, et on regarde, on regarde pour nous, non, et bon, ok, bon, bon référence qui Ezekiel, Pasteur Jacob Bamouin, qui très bien, merci Pasteur Jacob, mais Isaïe 65, verset 20, vous rappelez le texte qui dit qu'il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplisse leur jour, car celui qui mourra à ce temps sera jeune, et le pécheur âgé, bon, le mot pécheur est là, le pécheur est âgé, merci, bon, au moins qu'il va mourir à 100 ans, il va mourir jeune, bon, un pécheur qui mourra à 100 ans, le mot pécheur est toujours là. Moun ki a gauche qui perdu ou encore sur la terre, si même si l'Éternel t'a exterminé tout moun sa yo, présence péché t'a toujours là parce que terre même, l'univers même corrompu aussi. En plus, s'en ajouter, et l'expression pécheur âgé de 100 ans là aussi, et puis prend, comme on dit dans Ézéchiel chapitre 20, quand Satan sera relâché au verset 7. Apocalypse 20, verset 7, qui dit quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Regardez bien. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de rassembler pour la guerre. Le nombre est comme le sable de la mer. Bon, juste pour un texte, verset ça, dit, mais écoutez, il y avait un calme apparent. Le péché était là, le mal était là. En fait, c'est aussi le message qui est dans tout ça. Moi, je dis déjà aussi que Satan n'a pas gagné qui a fait repentir. Si après 1000 ans, il a sorti pour le séduire, le séducteur est encore là, la présence du mal était là. Deuxième bagaille, pour comprendre, Gog et Magog, les grands pays qui comptent Israël, que ce soit, et l'on retrace Gog, nous retracer Noé, Gog, là où ici, Magog, l'Iran,
et tout allié qui compte lui. En réalité, c'est pas Jésus-Christ qui soumet vrai. C'est parce que il pas gain chef, il pas gain haut commandement. Donc guider peuple sur la terre que l'on veut ou non, il pas capable dans l'enfer éternel parce que si le message du prince qui va être là, mes amis, il peut éradiquer le mal, le péché, sinon la boucan apparent, moun sa yo, c'est pas peut-être petite prédication par nous que on va tendre cet esprit pas ta saisir cœur. Oui, le mal est là, c'est clair. Ah, est-ce qu'il y a une autre question? Non, ouais, une autre question encore. Très bien, il y a une autre question. Est-ce que Jésus-Christ avait joué le rôle de souverain sacrificateur lorsqu'il était sous la terre? Non. Livina. D'ailleurs, Jésus-Christ fait 30 ans, il n'a pas fait rien. Numéro 1. Et il n'y a pas de brigadier qui peuvent qui a choqué. Nous, c'est sûr que il fait 12 ans disparaître, nous n'attendons rien encore, sinon que Jésus-Christ a scié planche, l'a fait meuble, l'a livré meuble. Il est un métier, une profession, le travail. Jésus-Christ a occupé le business. Je dois vous arriver. La première fois, nous connaissons le Mac, là, après le fait, c'est Marie qui va le faire, lorsque, dans notre sakana, Marie connaît qui est-ce qu'il a, mais lorsque Jésus-Christ a fait tout à fait, mais il va se solliciter Jésus-Christ. Mais aucun endroit, pendant son ministère terrestre, Jésus-Christ est explicitement présenté des sacrifices. Aucun endroit que l'Église pas jamais fait ça. Sinon que l'aile monte la croix. Attendez, oui. L'aile monte la croix. L'aile monte la croix. Oui. C'est ça qu'Apôtre Paul va expliquer dans l'épître aux Colossiens. Oui. Il monte la croix avec toute l'humanité. Il descend dans la tombe avec toute l'humanité. Il résiste avec l'humanité, il résiste, il monte, il traverse, c'est laisse ça traverser, traverser le tabernacle le plus grand, le plus parfait, et là, il rentrait, il chita à la droite du Tout-Puissant comme le médiateur, comme l'avocat. C'est ça, médiateur, parce que vous savez que avocat sont médiateurs. Il est rentré, mais pendant qu'il s'intéresse, lui, non, il n'a pas présenté sacrifice de offrande. Sinon que, le jour arrivé pour le monter Golgotha et puis sacrifice ça lui-même à la fois il c'est agneau à la fois il c'est victime non à la fois il c'est sacrificateur on prend bien il jeu tout gros lieu il c'est tabernacle là pas oublier que toute image tabernacle là réunie dans Jésus-Christ à Golgotha au calvaire il exécuté rentrer à une seule fois et le rentrer avec 100 pales, il rentrer pour nous une seule fois devant le Tout-Puissant, devant le Dieu le Père et c'est fini. Ou avec eux, pas besoin de devant personne mon encore, mais il fait ça une fois pendant que il était venu sur la terre, il mourir, rester le monter. Mais il pas exercé pendant la monsieur dit avec disciples, non. Pendant qu'il là, tu gain sur le sacrificateur car il était là. Il dit pas d'ailleurs de quel droit pour ta entrer en dans temple de Wod là mes amis non il pas de gain ça il pas de gain il pas de capacité ça dans sens que l'homme dit il pas fait il pas si vous t'avez faut faire la gros pointette pour ta non il pas fait ça il vini c'est la grâce il fait normalement et il y a une question qui dit que pour repentir il faut l'âme bon. C'est il y a un commentaire qui dit pour repentir il vous faut l'âme, Satan n'a pas d'âme. Ça les discutable, ça c'est tout l'autre enseignement, on va rentrer là-dedans, on va commenter mais il faut montrer que Satan est une personne. Faites attention. Les démons c'est des personnes. C'est personne, ça veut pas une différence entre
entre là n'a pas les créoles surtout entre moun, c'est ça fait que quand on ne pas comprendre la notion de un dieu en trois personnes. Trois personnes. Satan son personne, il a émotion, il est content, il fâché, d'ailleurs qu'on fâché, il fâché sur moun, le moun pas bal manger. Le ou goufi la pa gen manje non famille, li ka dévorer tout moun. Satan, démon ou fâché, parce que les démons sont des personnes. Ça, c'est clair. Alors, les ulifri da pa gen manje non certain race haïtien, li ka dévorer ou. Comprenez? Le ou choun ba gen non race indien, li ka dévorer ou. Comprenez? Le 24 juin, il fête Saint-Jean-Baptiste, fête maçon loge, il va gen sacrifice dans le Québec, li ka dévorer moun ici. Pa gen jouet. C'est des personnes qui ou ka fâché, ou ka content. Qui va aussi la gen nom. Pour la femme de perte de sang, Jésus-Christ, aux yeux de cette femme, était un souverain. En fait, dans les yeux de femme, non, Jésus-Christ était un prophète. Son prophète. D'abord, mais il peut le reconnaître aussi que Jésus-Christ est Seigneur. Beaucoup même plus que souverain sacrificateur. Parce que l'Église dit, moi, je viens un monde qui dit tout ça que moi fait. Est-ce que c'est pas Christ là? Ouais, Jésus comme le Messie. Même plus loin que ça. La femme samaritaine. Ouais, comme un prophète. Ouais, comme le Messie même. En fait, ouais, Jésus-Christ, parce que ça, le loin. Jésus, loin. Il est le loin. C'est l'été de venir. Donc là, le plus loin. Femme bah, samaritaine, non. T'es Jésus, le même qu'à aller plus loin. Il reconnaît, c'est comme Bartimée, aveugle aussi. Il reconnaît que Jésus-Christ est le fils de David. C'est bon, jouet. Bartimée, côté lié à un rayon, dans le coin côté lié, ouais, Jésus-Christ, l'autre monsieur, pas ouais, Judas, pas ouais, ça. Mais Bartimée, ouais, ça. Judas, Gengel, Gengel, la compte Cob, et Cob qui était resté, mais pas ouais, il pas ouais, c'est Jésus. Ouais. Mais il comprend que le calibre, il n'y a pas un problème. Mais Bartimée, tu comprends que c'était le roi qui passait. Yeah. La femme perte de sang, oui, tu vois que Jésus-Christ, c'était le guérisseur. En réalité, femme perte de sang, en fait, ok, je me confonds, femme perte de sang, femme samaritaine, non, la femme samaritaine, welcome le Messie. La femme perte de sang, oui, le geste femme perte de sang, montre que le comprenne que Jésus-Christ, non seulement c'est le guérisseur, mais c'est le souverain sacrificateur. Pourquoi vous avez raison? Oui, c'est correct, parce que m'li femme samaritaine, alors que c'est femme qui gagne 12 ans de perte de sang. Oui. Alors, bon, moi, je prends encore réponse. Hein? Femme samaritaine, dans les mêmes, lui, ouais, Jésus-Christ, comme le Messie, comme un prophète qui a tout dit, l'omniscient. Femme qui gagne perte de sang depuis 12 ans, qu'est-ce qu'elle fait à lui reconnaître que Jésus-Christ est souverain sacrificateur? Oui. Pour qui ça? Parce que l'expression, il dit, si moi t'es qu'à toucher, oh merci pour question ça, son belle, la Bible là, j'en pile. Si moi t'es qu'à toucher que robe, Jésus-Christ, moi t'as guéri. D'expliquer ça pour qui ça? Pour maintenant comprendre question ça bien et que robe, Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ pas gagné un vêtement, attendez bien, oui. Jésus-Christ pas gagné un vêtement qui était ressemblé avec Caïphe, de quel droit? Il dit, mais monsieur, t'as tué le plus rapide toujours. Bon, où est, l'Elba réponse, il dit, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant, et puis où est Caïphe, campé, il dit, son blasphème. Mais, qui est ce tabal rat vêtement qui semble d'ailleurs pas qu'à gagner deux souverains qui marchent dans la ville là. Vous comprenez que les pharisiens t'ont accepté ça? Non. Mais par la foi, l'acte de foi de femme là, l'aller au-delà du rat là. Parce que lorsque elle dit moi si n'ai qu'à toucher que robe là, gen des petits objets qui n'ont que wob, m'te dit ça déjà, oui, me rappelle, n'ont que wob souverain sacrificateur, il est le titsi. Oui, le titsi. Le titsi
que le psaume 133 explique très bien. Et psaume 133 que nous aimons lire dans l'action de grâce, dans la communion fraternelle, et puis comprendre qu'il y a une onction, l'onction s'arrête dans le titre qui explique le psaume 133, que probablement que nous connaissons bien, quand le texte, le psaume 133, alors on dit psaume, il n'est pas long, le psaume 133, verset 1 à 3, qui dit, ah, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, en parenthèse des sœurs, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête. Tête, hein? Tête, autorité, symbole d'autorité, qui descend sur la barbe. D'abord, barbe, symbole de maturité. Pas n'importe quelle barbe, la barbe du souverain sacrificateur, la barbe d'Aaron, l'huile qui descend, qui traverse le souverain sacrificateur, qui descend sur le bord de ses vêtements, qui descend sur le bord de ses vêtements. Donc, l'huile arrive là, l'huile d'onction est là, arrêtée. Or, l'huile a effet de guérison. Donc, la femme a reconnu que Jésus-Christ était réellement un souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur présente les actes à Dieu pour le pardon des péchés. Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il pardonne les péchés. Oui, il pardonne des péchés à moi qui est malade, mais pas pardonner à tout le monde en même temps. Ce n'est pas disponible pour tout le monde en même temps. Il fait démonstration pour montrer disciple au monsieur le vin la caillou assis, je suis le Christ qui est là. Et puis monsieur va dire, mais qui est-il pour qu'il pardonne les péchés? Il pardonne les péchés. Mais là du souverain sacrificateur rentrer, ça veut dire les principes rentrer dans le lieu saint, le très saint, probablement par rapport à cette question, il pas exercé ça. Mais avec le monsieur il montre nous le père. Il dit mais il est plus que, en fait, Jésus-Christ était, en fait, dans un moment, il était plus que souverain sacrificateur. Il est Dieu. Jean chapitre 1er, il est Dieu. C'est pas même, ce moment est-ce qu'il était Dieu? Oui, il est plus que souverain sacrificateur, il est Dieu même. C'était Dieu qui était là. Quand il dit, montre-nous le Père. Non, écoutez, monsieur, dame avec nous, celui qui m'a vu, a vu le Père. Il est même au-dessus même de ce rôle. Il est le Dieu créateur même. Mais dans la démarche de l'Ancien Testament, ou bien que nous allons rejoindre et dans le millénium, ou bien elle mourit, il traverse une seule fois pour tout le monde, toute l'humanité couvrie, il n'a pas exercé ça de manière littérale pour tout le monde. Sinon que, mon qui devine à lui-même, même j'avais femme adultère là, il dit, allez, ne péchez plus, tes péchés sont pardonnés. Mon guéri dit, il a capacité ça, oui, comme Dieu, oui. Mais l'exercice propre comme souverain, non. Alors, et laisse-moi continuer, je pense qu'il y a une autre question. Et une question, j'avais déjà répondu à ça. Oh, ok, non, j'ai pas encore répondu à ça. Bonjour, j'ai une question. Pourquoi les pécheurs, ceux qui ont accepté la marque de la bête, vont vivre plus longtemps pendant le règne de 1000 ans? Qu'est-ce qui fait qu'ils vivent plus longtemps? Alors, laisse-moi expliquer. Et ça rentre dans la souveraineté de Dieu. Alors, il y a des questions qui rentrent dans la souveraineté de Dieu. Le premier marque de la bête, yo. Probablement que mon église qui prend tout. Il y a vive. Il n'y a pas mourir. Christ tourne. Il descend, disons. Il mettait à gauche. Il triait, il mettait à droite. On ne parle pas de mettre à gauche, mon zèle. Des milliers d'hommes. Des milliers de la terre. Mais non, il y a une sagesse, il y a un élément, seulement de pour qui raison Christ a vindigé la terre. Une réponse fondamentale là pour comprendre Louis Sagem nous faut caler il y a la pour Milan il ca vivre Milan si on pas battre koyo évidemment si on pas battre koyo c'est parce que Jésus-Christ
travail par l'exemple. Li pral montrer à l'humanité comment gérer. Li pral arriver dans la gestion du prince d'Ézéchiel. Nous allons prendre ensemble des questions de manière tacite. Que probablement que nous dit ça déjà. Yon crime a fait. Mon ben crochu. Le prince d'Ézéchiel, là, nous n'avons pas l'air comme souverain sacrificateur. Comprenez bien, oui? Nous beaucoup entrer dans l'aspect justiciel, comme roi des rois. Nous beaucoup entrer là-dedans, dans l'aspect roi des rois. Yon crime a fait à Kaye, alors que la siégé à Engedi, pas bien l'enquête se poursuit. A bon bandit qui tire en moun, si jamais Melta il t'a perdu rôle li détruit en moun en dan gravine pas gagner l'enquête se poursuit. L'en va arriver dans aspect rôle du prince d'Ézéchiel, celui qui doit régner comme le roi des rois sur la terre. Jodi a gen moun gen en pile crime k'ap fait sur la terre non pas quel pays ou pas jamais gen suite. Jésus-Christ a montré Gog, l'a montré Magog, l'a montré les grandes nations, l'a montré Nations Unies, l'ONU, le G7, le G20, tout grand peuple sur la terre, comment vous devez gérer. Et ça fait que ça, on rêve de justice, on rêve de justice, on rêve de paix. Ça fait que quand quelque part, il y a certaines craintes. Satan en prison, bien justice, pas bat corps, là pour la sauf faire, c'est loin. Donc, sans oreille de justice, le nom après aspect du prince d'Ézéchiel comme étant ce justicier, le roi de Wako. À soi, c'est beaucoup plus au niveau du grand sacrificateur. Vous avez quitté au vivre. Si vous n'avez pas de corps, vous avez vivre. Mais alors, le problème, même si vous avez vécu 300 ans, même si vous avez vécu 400 ans, même si vous avez vécu 800, bon, à quoi ça sert, puisque que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Ça prend sa vie, qu'on fait tout, et puis à la fin, on présente devant le grand trône blanc, devant le grand trône blanc, pas gagner l'autre issue, sinon l'état de feu de souffle. Oui. Même si vous avez vécu 300 ans, 400 ans, comme on dit à vivre 70 ans, 80 années, ou c'est bien de bien vivre, on a, c'est pas un problème que le possède que le multimilliardaire et puis on l'autre mourir à 30 ans, ou mourir à 20 ans, bon, on mourir à 90 ans, multimilliardaire et voilà dans l'état de feu de souffle. Ça va servir à rien. Et l'état de feu de souffle, vitam aeternam, au siècle des siècles. Vous comprenez bien? Au siècle des siècles. Ok, je vais continuer. Oui. Donc, pas de médiation, c'est une phrase clé. Les sacrificateurs. Maintenant, nous passons sur une première entité qui c'est le souverain. Nous pas fini, puisque nous avons quelques entités. Après, nous avons retourné. Nous va continuer par la itération, un cycle, un looping. Dans le chapitre 46 après, pour développer ce qui est tout ce qui est notion d'offrande avec sacrifice. Maintenant, voyons en autre entité, ce sont les sacrificateurs. Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10. Il présente une série de sacrificateurs. Ce n'est pas à l'enlèvement, mais c'est depuis à la conversion. Dans le texte de Apocalypse 5, verset 9 et 10, puisque il dit ainsi, que ce soit au verset 21, Apocalypse 3, verset 21 aussi. Au verset 9, Apocalypse 5, verset 9, d'abord, il dit, et il chantait. Donc ici, quand on prend un mot sur dans le texte, ça, c'est le contexte, c'est les 24 vieillards, les anciens, qui chita sur le trône. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre
et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé, tu as été racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Souvenez bien, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Écoutez bien, les rachetés, les oiseaux, que le Seigneur Jésus pas venu, pas boire, pas détruire, mais restaurer, le lumineux qui fume, que nous disons, lui-même, le accepté Jésus-Christ, je dis à soi là, au monde qui recevra cet esprit dans la vie, de Christ, par position, qui est la vie éternelle, lui a droit, accès parmi, lui a accès à la royauté. Et c'est exemple ça que nous te prenons dans Apocalypse chapitre 7, chapitre 8, pour nous expliquer le palme et les palmiers. Tu as fait deux. Donc, nous-mêmes, c'est la raison ça qui fait que quand Jésus-Christ lui rentre une seule fois, pendant que tu es dans le ministère sur la terre, monsieur, tu es toujours, pendant Jésus-Christ lui-même, il sur la terre, dans la même période, pascal là, il prend à monter la croix comme le plus grand agneau, le peuple là, a poté ti agneau en dans ta période. Par famille, attaché dans couillot, étiquette. Alors que, une fois que nous recevons Jésus-Christ après sa mort et sa résurrection qui baille la vie pour tout le monde, en général, tout le monde, ce n'est pas pour un grain de malade, pour un grain de monde, mais c'est pour tout le monde. L'entre une seule fois, puisque le sauveur était rentré, c'était pour le peuple, c'était pas pour un grain de monde, c'était pour le peuple. Donc l'acte de se présenter devant Dieu, c'était pour tout le monde. Donc Jésus-Christ pour faire acte là, il présentait pour tout le monde à la croix, automatiquement, la grâce, le Saint-Esprit, la vie que nous avons reçue en Jésus-Christ, il fait de lui-même un sacerdoce royal, il fait de lui-même un sacrificateur pour Dieu. Donc, il est racheté, l'Église qui est enlevée, qui chita, automatiquement, il fait partie des sacrificateurs. Cependant, nous avons posé la question, mais si les rachetés que nous sommes, l'Église, si nous faisons partie du groupe sacrificateur, eh bien, ça semble que ça vient de dire, ah, OK, bon, dans l'heure de 1000 ans, nous-mêmes aussi, dans le millénium, nous-mêmes aussi, nous pourrons exercer notre fonction de sacrificateur. Non. Dans, là, au moment où nous parlons, ce n'est pas à l'enlèvement de l'Église qui fait de nous des sacrificateurs, c'est à notre conversion. L'on a accepté Jésus-Christ dans la vie noire, mais l'Église enlevée, nous sommes sur des trônes, nous déjà fait partie de ce sacerdoce royal, nous fait partie de cette nation sainte, nous fait, aujourd'hui, nous pas besoin de monde pour nous porter à personne sur la terre, Jésus-Christ fait une seule fois, il suffit que nous rentrer devant le trône, nous commencer la prière, nous adresser nous à notre Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons accès à ouvrir, puisque voilà, tu es déchiré. Donc, ça fait de nous des sacrificateurs. Avec les pères de famille, sont des sacrificateurs pour leur famille. Mais oui. Oui, les chefs de famille, les chefs de foyer, ou même qui maman qui a pleuvé, ou dans la prière, ou constamment, ou ça. Mais, ou pas un souverain qui rentre pour tout cas là. Non. Tout le monde doit apprendre à aller eux-mêmes. Donc, ou intercéder pour les gens qui ont fait, mais c'est pour l'enseigner pour tout le monde pour y aller eux-mêmes, pour porter tête, pour venir même. Parce que voilà, ouvrir, porte là, accès à, il n'est pas limité à un seul monde, en plus, une seule fois par année, il est accessible à tout. Debout dit gloire, Père, gloire, Fils, au nom de Jésus, que nous avançons, ou bien accès. Ça fait de nous, ça. En plus, nous avons chita, nous-mêmes, les rachetés de l'Église, nous apchita ce que nous trouvons dans le texte de Apocalypse, dans le verset du chapitre 3, au verset 21. Apocalypse 3, verset 21, la peine l'apchita sur le trône. D'ailleurs, côté où il est là, dans le chapitre 5, là,
les anciens, l'église qui représente l'église, les 24 vieillards, ils représentent l'église, ils chita. Chita. Pour dire que nous sommes les rachetés, sont des sacrificateurs. Mais, nous avons sur le trône, nous avons gagné attribution Israël, ces démarcations, ça, pour nous. Bon premier élément pour nous souligner, toutes les nations qui étaient alliées à l'Antichrist, ils pas gagné médiation pour eux, numéro un. Deuxième élément, nous-mêmes qui s'est déraché, l'Église qui enlève, quand les nations de qui retourne à Jésus-Christ, tout côté la pied, c'est là, la pied tout, nous pas gagné, nous avons acheté sur le trône, nous avons avec lui, mais nous pas gagné pour nous rentrer, descendre, faire travail Israël. C'est ça que nous, qui ont élément pour nous apprendre après-midi, très important. Mais, troisième élément, Israël, lui-même, qui a une vocation, ça, lui pral gagné un mandat pour jouer le rôle de sacrificateur dans le règne de mille ans. Très important à ne pas oublier. Israël, alors, regardez bien, Ézéchiel 40, verset 45. Regarde ce que Ézéchiel, l'Éternel Dieu, moi, décrit. À montrer l'architecture, le building dans la vision. Hein? Il dit au verset 45, il dit, écoutez, et voici ce qu'il a entendu. Il dit, il me dit, en parlant de l'homme qui avait l'aspect de l'airain, il dit, cette chambre, en parlant des chambres qui étaient là, dont la face est au midi, dans le sud, est pour les sacrificateurs qui ont la garde de la maison. Donc, souligner, il y a le sacrificateur. Il y a aussi les sacrificateurs. Un peu plus loin, nous allons voir encore l'expression de sacrificateur, ça qui est encore accentué. Dans Exode 19, verset 6, Exode 19, verset 6, et regardez cette promesse envers Israël. Il dit, et l'Éternel Dieu dit, vous serez, Moïse a écrit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. En parlant d'Israël, ici, Moïse parle concernant les enfants d'Israël. Ce n'est pas l'Église. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ça n'a pas qu'à effacer. Bon. Comme Israël lui-même, il fait des tout parle, il fait des détournements. Spirituel, il tombait de l'autre côté, le mettre la terre a bien pris le contrôle pour diriger la terre. Israël obligé respecter ça, c'est lui qui a attribué ça comme épouse de Dieu dans un contexte semblable à l'Ancien Testament. Maintenant, qui est-ce parmi les enfants d'Israël pour nous souligner à soi avant nous finir? Ça me permet que nous kembe ça pour ensemble avec qui c'est très important. L'on fait parallèle entre souverain sacrificateur, sacrificateur dans l'Ancien Testament, souverain sacrificateur et le grand souverain sacrificateur dans la Nouvelle Alliance et nous-mêmes qui c'est sacrificateur et le grand souverain sacrificateur et les sacrificateurs dans le millénium. Élément ça, Paul sous papier. Pour un cas résumé facile. C'est ça qui permet que l'on lit texte ou capable d'interpréter plus facilement. Et comprendre aussi. Donc, qui est-ce moun qui gagne rôle parmi les enfants d'Israël pour devenir grand prêtre ou pour devenir sacrificateur pour te sortir dans la tribu Lévi? Donc, on dit ça, des Lévites. Maintenant, parmi tribus, mon nom de tribu Lévite, yo, gen yon maison, parce que gen plusieurs lignées dans la tribu Lévite là, ou gen, ce qui sorti en lettre de Gershom, ou gen yon fait tout connecté dans Aaron, certes, mais ou gen yon embrèchement Gershom, ou gen Kiatit, ou gen yon embrèchement Marerit, donc gen plusieurs embrèchements. Mais en ligne plusieurs dans arbre généalogique dans plusieurs branches qui est dans ligne lévitique là gagne yon papa c'est moun qui sont dans au cas lévite mais ou par sacrificateur dans le règne de mille ans. Attendez bien,
Israël, on parle des enfants d'Israël. Attendez bien. C'est sûr que, sous dit vrai ou faux, est-ce que ça qui a sacrificateur, il y a descendant d'Aaron? Vrai. Mais est-ce que il y a sorti dans Yokai qui est différent de Zadok ou bien de Sadok? Faux. Parmi moun, dans tout kay, dans embranchement, racine qui pied bois racine c'est Aaron toute branche yo familial yo gayon kay c'est dans kay ça depuis Salomon te vin roi c'est moun sa yo qui toujours vin même si c'est descendant d'Aaron c'est yo qui qui toujours vini souverain sacrificateur pas seulement sacrificateur même grand prêtre. Depuis installation Salomon, bam dit mieux. Depuis les David a grand monde, si grand monde a tremblé David. Les David pral installer Salomon. Moun qui pral faire installation Salomon hein. Il depuis l'or à maison papa ça. C'est quand dans moun tribu Lévi yo. Moun sa yo ki soti dans kay on dit que gen plusieurs pasteurs tande bien oui pas oublier que c'est tribu by pasteur yo mais gen pasteur que les Joseph gen pasteur Hans gen pasteur Isaac gen pasteur Sadok donc nan tout pasteur yo ki te gen yo comme sacrificateur nan tout souverain pa sa avant ki mouri yo ki gen petit grand souverain sacrificateur depuis Salomon fin installé c'est en dedans kay sa même souverain au sorti jusqu'à l'époque des Maccabées c'est Zadok li relé c'est Zadok li relé Zadok et ou ka dit Zadok ou ka dit Sadok côté Sadok ça nous joini dans texte Ézéchiel 40 là on ouvre Bible nous on regarde Ézéchiel 40 verset 46 s'il te plaît. Ézéchiel 40 verset 46 ça. Après nous va regarder dans d'autres textes après. Regardez le texte et dans la description dans la trajectoire que l'Éternel Dieu a fait avec Ézéchiel dans vision, hein? L'arrivé sous Zadok sur une chambre, il dit et la chambre parmi chambre que l'a montré dans vision sous tuyau, il dit et la chambre dont la face est au septentrion est pour les sacrificateurs qui ont la garde de l'autel. Regardez bien au verset 46. Ouais. Ce sont les fils de Zadok qui parmi les fils de Lévi s'approche de l'Éternel pour le servir. Donc, moun, c'est pas tout moun qui sorti dans la maison Lévi, dans la tribu Lévi, qui a bien autorisation pour vin sacrificateur, mais c'est ça yo qui sorti dans que grand papa était les Zadok ou bien arrière grand père s'il est remonté que les Zadok depuis d'ailleurs c'est monsieur qui était installé qui était roi Salomon le l'a monté comme moi il a oublié que Salomon c'est un type de Jésus-Christ et que royaume n'a pas besoin de vide c'est Zadok qui était roi Salomon le Salomon a mis salé et il est que et monsieur Pral prend et monsieur Pral existait depuis dans grand le David à grand monde David était là il Pral roi Salomon comme dit déjà dans 1 roi chapitre 2 verset 35 donc lisez le texte en 1 roi chapitre 2 lis 1 roi chapitre 1er après le remplacement et qui est-ce que le remplacer on traite et 1 roi chapitre 2 expliquer et ça le là pour moi Salomon c'est Zadok qui était occupé premier rang et mais dans le règne de 1000 ans il était occupé premier rang avant
Maintenant, le mais là, arrivé dans le règne de Milan, c'est moun, c'est si moun qui sorti dans la lignée Lévi, hein, mais qui sorti dans le Kaïsadok, qui a bien droit sacrificateur. C'est ça, Ezekiel, ouais, dans la vision. Kounia, une belle question à poser. Parmi tous les juifs israélites, qui a flané sur la terre, d'ailleurs, pas oublier que, faut retourner, il avait besoin d'espace, il besoin d'espace, besoin d'espace dans la bande de Gaza. Ils ont besoin d'espace. Il a cherché espace, puis il a mis des cailles. Il y a des gens dehors. Il y a des gens qui doivent passer là sous le monde, ils sont petits Zadok. Quand on l'autre qui a marché dans Silicon Valley, ils sont petits Zadok. Il y a des gens qui sont sous Paris, qui ont flané dans Paris, ils sont petits Zadok. Ka gen yon la ka pran ti soleil vacances li Florida, li se petit Zadok. Les enfants de Zadok, les arrière petits, peut-être qui pa même konnen. Li pa même konnen si ADN ni. Gen trace Zadok la dan. Mais comme dans la main puissante du tout de Dieu, a travail, a agi par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, yo obligé ouais ça yo pas carré d'ailleurs quantité que bon Dieu besoin hein yo vinn faire travail yo dans le temple d'Ézéchiel yo obligé prendre monter avion pour atterrir la vive yo obligé river les pour river probablement ka gen là-dedans yo qui pral et peut-être notre subite tentation et chef antichrist probablement Zadok, pour qui ça que c'est choix ça qui fait? Ou qu'on dit, mais pour qui ça c'est Zadok? C'est parce que Zadok, l'on lit 1 roi chapitre 1er, 1 roi chapitre 2, 1 chronique 29, lit 1 roi chapitre 8, 1 roi chapitre 1er. Zadok te demeuré fidèle parmi tout sacrificateur passé, souverain, grand prêtre. Zadok, c'est lui-même qui demeurait fidèle, non seulement à David, à Salomon, à Dieu. La fidélité a un prix. La fidélité a un prix. Et à cause que vous étiez loyal, fidèle à David, fidèle, loyal et fidèle à Salomon, en fait, fidèle à Dieu, l'Éternel permet que le Jésus-Christ pral régner, le prince d'Ézéchiel, comme le grand souverain sacrificateur, moun famille d'accord pour vin sacrificateur dans la tribu Lévi, c'est moun qui se petit, qui gen ADN, qui gen sans adoc, parce que il était fidèle. Donc, vous comprenez, l'on a texte envoie les fils de Zadok. Au verset 46, dans le texte, hein, Ézéchiel 40. Donc, on dit ça déjà, c'est monsieur qui est roi Salomon. Dans Ézéchiel 48, verset 10 et 11, vous regardez, on finit sur notre ça, et Ézéchiel voit que c'est seulement lui-même qui est légitime. Donc, l'homme va expliquer la distribution des terres. Et Joël voit que l'été est fait. Après, il a traversé le Jourdain avec Josué. Des terres étaient distribuées. Jésus-Christ a repris tout ça qui revient au droit pour redistribuer les terres bayo dans la zone du sud pour bayo normalement qui revient au droit. Tout terre où il y a une bataille dans Hamas, dans la bande de Gaza, tout terrain qui est sous côté littéral là, qui revient au droit. L'Éternel a octroyé. C'est leur distribué terre. Ézéchiel pral jwenn nan vizyon. C'est eux-mêmes qui légitime pour vin sacrificateur côté Jésus-Christ dans le règne de 1000 ans. Ézéchiel 48, verset 10 et 11. M'appelle pour finir. Il dit c'est au prêtre qu'appartiendra cette partie 7 de 12 km et demi au nord, 5 de large à l'ouest, 5 de large à l'est et 12 et demi de long au sud.
Et le sanctuaire de l'Éternel sera au centre. Elle appartiendra au prêtre consacré aux descendants de Zadok. Attendez, oui. Qui ont persévéré à mon service, qui ne se sont pas égarés comme l'ont fait les Lévites lorsque les Israélites s'égaraient. Donc, Ézéchiel 48, verset 10 à 11, on va reprendre ça. Il est arrivé. Fini. Donc, c'est eux-mêmes qui ont droit, autorisation pour eux venir parce que c'est seul eux-mêmes papa. Regardez bien. Ça, ils ont papa. Ça, ils ont papa. Ils ont bien fait. Ils ont papa fait. Mon application. Ça, je rentre dans le profond. Dans. Ils ont ça, papa, ils ont fait comme bien. Ils ont matin, ils ont vivre. Ça, ils ont maman fait comme bien. Comme la fidélité de père dans le service de Dieu. De maman, dans le service de Dieu, petit, des moun kap vivent de fidélité, ça apparaît au effet dans la présence de Dieu. Yo pas même, yo ka comprendre, c'est parce que la prière puis bien. Gen baga moun ka vive, pas parce que la prière puis bien, c'est parce que maman, papa, te quitté un héritage de fidélité. Je dis à nous-mêmes, je dis à, un grand exemple, comme Zadok. Que nous quittons, moun ki gen ti moun, vive bien de la présence de Dieu pour nous quitter yon bon héritage de bénédiction pour yo parce que bon Dieu pas jamais oublié sa maman, sa papa fait dans la présence. Que bon Dieu bénisse nous à soya, que bon Dieu fait nous grâce, que nous t'y à l'écoute. Moi salue encore tout auditoire bien-aimé qui est sur Facebook, YouTube et l'église là qui est sur la plateforme GoToMeeting. Et puis nous tout est sur Roku TV, GTM Dev, nous salue encore Régia. Et tous nos frères et sœurs bien-aimés, que vous fait nous grâce, passez une excellente soirée, que vous bénissez nous abondamment, que vous fait nous grâce. Amen. À une prochaine. Amen. Amen. Nous disons merci pour l'étude de sa parole. Donc, pour nous terminer, nous chantons un cantique, nous venons numéro 9. Réveillons-nous et nous demandons à notre frère Belloni. Et pour Renaud Belloni, capable de faire prière finale pour nous capable de terminer. Le haut compte mon qui pour Jésus compte la dent. Na mon qui confie en parole compte la dent. Compte parmi petit qui pourra celle-là. Compte parmi serviteur qui servira. Compte parmi mon sauvé. Alléluia. Compte la dent. Frère Belloni. Bon Dieu grand, bon Dieu fort, bon Dieu réel, bon Dieu tout-puissant. Oui, je le vois. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois.